Desde París, para el mundo. Astrid Haddad, así es que cantante mexicana y bueno, pues también una gran, que tiene grandes presentaciones, pueden buscarlo por internet y bueno, tiene canciones muy atípicas mexicanas. Vamos ahora nuevamente con otro invitado, Juanito Buanabacoa. Vamos rápidamente, por favor. Nous avons ici avec un ami Jean-Jacques, c'est une personne qui a un lien très proche avec la culture mexicaine, la culture latino-américaine, ensuite dans la action d'édition ABDC, édition Bienvenue Clandestine. Jean-Jacques, que pourriez-vous dire sur cet milieu de travail? Nous sommes une maison d'édition associative, on s'est créé il y a exactement 5 ans. Ces 3 dernières années, nous avons publié des textes qui ont été multilingues, qui parlaient à partir du texte du manifeste des indignés, des indignados d'Espagne. Nous avons fait une édition multilingue de leur production, de leur débat d'assemblée populaire. Nous les avons traduits en français, en espéranto. Et à partir de là, on s'est lancé dans un travail donc de soutien des personnes qui manifestent leur colère, leur proposition alternative de vie, etc. Bon, de langue espagnole vers le français. Voilà. Donc, il y a au Mexique certaines problématiques que vous avez connues et que vous avez approchées. Et oui. C'est que la labor que vous avez fait en le centre d'appui et de dénoncement de la problématique au Mexique. Alors, je me suis trouvé au Mexique il y a exactement un an, pendant 3 mois. J'y étais pour essayer d'être en contact avec les maestros zapatistas et de la CNTE à la Novena. Ben, je participais à leurs émissions. J'ai fait des ateliers d'écriture de l'opprimido, con ellos. Vous avez connu l'espagnol traditionnel dans l'état de Chiapas. Je ne me suis pas rendu à San Cristóbal de la Casa, je n'ai pas eu le temps et l'opportunité puisque les émissions étaient pratiquement chaque 3 jours, donc je n'avais pas le temps d'aller au Chiapas et de revenir. Donc le temps matériel m'a manqué, mais j'étais en contact avec des copains de Guerrero, j'étais en contact avec des copains de Acapulco, de Veracruz, j'ai même été à Oaxaca entendre la parole de gens, de femmes surtout, qui parlaient de la colombianisation du Mexique et qui m'ont appris beaucoup de choses sur l'outil de la drogue comme motif Comment est-ce que vous percevez que cette situation touche la culture en France? Moi j'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qui se passent, puisque je m'étais occupé un petit peu des Sahraouis à propos du Maroc. J'ai vu aussi avec le Maroc que c'était un véritable impérialisme basé sur le narcotrafic. Et toutes ces guerres qui se font en Iran, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan sont des guerres liées au trafic de drogue. Je pense aussi que derrière tout ça, il y a un pouvoir véritablement mafieux au sein même de l'Europe. Il y a un cynisme. Quelques jours, ouais. Bill Clinton a dit au Mexique que désolé pour avoir propicié la guerre et le trafic de la drogue par terre, parce qu'on a focalisé cette guerre vers l'air, vers les mers, mais c'est une affectation d'un pays à l'autre pour des intérêts et reliés à le narcotrafic.
Cette déclaration a été vraiment cynique. Mais qu'il soit bien clair, ce n'est pas simplement, enfin, à mes yeux, à moi, hein, je comprends le monde à ma manière, hein, mais je crois que l'outil des trafics mafieux ou du narcotrafic, ce n'est qu'un outil. Il y a eu le proxénétisme, et ça continue, c'est pas ça qui va l'arrêter. Il y a eu le trafic d'armes. Moi, pour dire très vite ma vision du monde, mais le plus vite que je peux, en 1948, après l'échec de la Société des Nations, on a fait les Nations Unies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on définissait la nation comme ayant une frontière, une monnaie et une langue, tout ce qui n'avait pas une frontière, une monnaie, une langue, c'est-à-dire les Sahraouis, les Mapuches, les Kurdes, eh bien, ils pouvaient toujours réclamer tout ce qu'ils voudraient, ils n'auraient rien. Voilà. D'une autre part, je voudrais savoir par rapport à votre travail, en fait, oui. Parce que j'ai en face de moi la publicité d'édition clandestine. Ça veut dire quoi l'édition clandestine? Ouais. Donc, à part de que vous venez de dire, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que il y a des documents qui sont pas connus des gens, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur oui. ça? Oui, oui. Notre maison d'édition travaille d'abord sur la parole des gens, sur le thème des oppressions. Il est bien entendu que l'oppression, c'est, on en est conscient, et c'est quelque chose qui nous empêche ou qui nous oblige à faire quelque chose de légitime. Donc c'est un droit qui ne nous est pas autorisé, ou bien qui nous est, on veut nous forcer à faire quelque chose que nous pourrions refuser. À partir de cette conscience de l'oppression, qui n'est ni la dépression, ni la répression, parce que la répression, une fois que c'est lancé, ouais, ouais. Donc, à partir de la conscience de l'oppression, les gens parlent, et ils écrivent, donc, des textes, des femmes de ménage écrivent. Alors, si lo quieres leer, muy bien. Sí, aquí hay para una pequeña referencia de lo que publican. Resuenan las voces de los que un día fueron callados. Les veo caminar por callejones de olvido, negándose a ser olvidados. Miro sus rostros en cada nueva semilla que se levanta. En los desérticos campos, le veo alejándose de las penumbras. Sus nombres son repetidas por quienes le amaron. Les veo en cada nuevo combatiente. Les veo en cada senda construida. El olvido se desvanece en cada niño que espera recoger sus sueños del barco. El miedo se aleja. Muy bien, gracias. El marichihueu es una palabra mapuche que quiere decir 10,000 veces venceremos, o más bien, mari quiere decir 10, y se saludan con las dos manos abiertas, y dicen 10 y 20 veces voy a levantarme, 10 y 100 veces voy a adelantarme. Y 10,000 veces venceremos todos. Y esta palabra, el subcomandante Marcos la toma en de la hace suya, claro. Y dice, pues venceremos. Claro. Pour reprendre la question, donc, clandestin, à partir des articles 9 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin des droits humains, parce que c'est pas les droits de l'homme, ça c'est une très mauvaise traduction. A partir de los derechos humanos que dicen liberté de circulación pour les personnes et pour les idées, nous donnons la parole à des femmes qui sont des femmes de ménage, nous donnons la parole à des ouvriers, nous donnons la parole aux indigènes. On vient de voir le film Hop, et on voit à quel point, dans des pays où on n'a eu que l'oppression, même pire, enfin la corruption pour pouvoir vivre et pour pouvoir grandir, il n'y a aucune solution, il n'y a que la corruption qui continue d'être un mode de vie, quoi. Et c'est une horreur. Voilà. Je crois, Jean-Jacques, qu'il y aura une autre opportunité pour savoir qu'est-ce que les nouveautés dans la maison d'édition ABC Bienvenue Clandestine. Quieres tomar la parole, Abel, pour... C'est simplement pour dire que l'édition Bienvenue Clandestin se trouve à 162 rue Saint-Maur, Paris 11e. Il y a de belles publications, Marchi Mbeu,
C'est un mot Mapuche, ouais, c'est la parole Mapuche. Mapuche, et aussi il y a des nous les indignés qui a été traduite, et este es el libro de Silvia Cuevas, Morales. Morales, pienso luego estorbo, si. Je pense donc que je gêne. Donc c'est une édition, bienvenue clandestin, belle édition, donc je vous rappelle, 162 rue Saint-Maur, Paris, ancien. Lanzo dos llamadas. Una llamada lo digo en francés, es mucho más fácil para mí. Un appel à texte originaux de peuples indigènes, traduit en espagnol, en allemand, en anglais, en français. C'est pour le sommet sur le climat. Le thème, donc, c'est l'habitation, l'alimentation, la santé, enfin, tout ce qui touche autour du climat. De la part des gens, des peuples indigènes. Je veux que le texte original soit d'abord indigène, quechua o lo que sea. Y esto es la primera llamada. Y mi segunda llamada es para el intercambio de mujeres de abajo a la izquierda, en lucha, de México y de Francia, que intercambian en un proyecto que está llamado, que se llama Paz, P-C. Sí. Bueno, yo creo que esto es precisamente una de las labores de FPP, es dar la palabra y propiciar la salida de proyectos culturales y de integración y de intercambio cultural. Y yo creo que pues siempre estarán las puertas abiertas. Nuestro director Osler, el equipo aquí en Radio FPP, te agradecen, Jean-Jacques. Je vous remercie très spécialement parce que a été une grande opportunité. Nous avons pas le temps de planifier cette rencontre, mais en todo caso, muchísimas gracias y estaremos aquí haciendo y siguiendo las emisiones. La casa está abierta y no será esta la primera vez. Ya tenemos los datos, tienes mi teléfono, tienes el teléfono de la estación Radio FPP, la puerta y la palabra para el mundo. Y voilà, bienvenido y bon. Con el todo al todo, y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay.